Je m'appelle Morgane de Merlouze, j'ai 24 ans et je suis actuellement chargée de communication chez Orange. Mes missions, c'est de rédiger les articles qui sortent sur l'intranet, prendre en charge tout ce qui est fait au niveau du réseau social entreprise, donc le Plaza. Je m'occupe aussi de l'organisation des séminaires, donc pour les professionnels. Je prends également en charge l'organisation d'événements conviviaux, type fête de la musique par exemple. Donc je fais un peu de créa et puis de la rédaction, enfin un peu tout ce qui touche à la com. C'est vrai que l'alternance c'est un peu particulier, ça peut être un peu dur à gérer parfois parce que il faut à la fois gérer le fait de faire ses dossiers d'école, les examens, etc. Et en même temps, quand tu arrives en entreprise, il faut tout de suite reprendre tes dossiers, il faut pouvoir rebondir assez vite. Donc au début, c'est quand même un rythme à prendre. Mais après, ce qui est très plaisant, c'est le fait de pouvoir continuer à apprendre la théorie à l'école et de profiter aussi de ces instants d'école qui sont assez particuliers. Et à la fois d'augmenter et d'améliorer ton travail sur le terrain et de voir vraiment que ce que tu apprends à l'école, en fait, ça sert beaucoup, beaucoup sur le terrain. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, j'aime bien bouger, j'aime bien changer et je pense rester dans des domaines assez techniques. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la communication interne parce que j'ai beaucoup aimé le fait d'être en contact direct avec les gens et de voir ma cible au quotidien. Pour être en communication interne, je pense qu'il faut être quelqu'un d'assez communicatif, d'assez jovial, quelqu'un qui va vers l'autre. Surtout, c'est très important parce que vu que tu côtoies ta cible au quotidien, c'est important qu'elle puisse voir que tu es réceptif et que tu es capable d'aller vers eux. Voilà. Donc après, il faut être dynamique et faut vraiment en vouloir parce que c'est un beau métier, mais parfois, ça peut être un peu compliqué. Accrochez-vous parce que trouver un contrat, c'est extrêmement dur. Il faut vraiment se donner, il faut prouver qu'on a envie vraiment de travailler. Mais après, même si les premiers mois, ça peut être un peu difficile au niveau du format, je pense que ça vaut le coup de s'accrocher et d'y aller, quoi. N'hésitez pas.